présence pour ce concert d'orchestre symphonique et chœur, voilà, qui vous est proposé par le Conservatoire de Montargis, par l'École de musique d'Amilly et le chœur Selva Cantabile de Pocourt. Voilà, donc c'est un projet pédagogique qui réunit tous ces éléments-là pour vous proposer ce programme ce soir. Donc je vais vous présenter les pièces au fur et à mesure de ce programme. Et voilà. Alors nous sommes ici donc dans le gymnase de l'ADAPT. Je remercie M. Terrienne de bien avoir voulu accepter, d'avoir accepté de nous recevoir ici. Voilà, j'en profite pour dire que le Conservatoire de Montargis et comme l'école de musique, bien sûr, s'inscrit dans la ville, pardon, en tant que service public, et donc venir ici ou avoir pour le conservatoire un parcours adapté pour les personnes en situation de handicap, c'est assez naturel, et puis la semaine dernière il y a eu un très très beau spectacle aussi de danse qui a été proposé à Jean Villard et à la salle des fêtes de Montargis, de danse adaptée et de danse inclusive. Voilà. Donc on continue à mettre la vie, la musique partout où on peut la mettre, parce que tout fait sa place partout. Voilà. Donc nous allons commencer ce concert avec Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, c'est toujours très très bien pour commencer, pour finir. Et particulièrement le concerto Grand Bourgeois numéro 3. Dont on jouera le premier mouvement. Alors, ces concertos grandes bourgeois sont au nombre de 6. Ils étaient destinés au margrave de Brandebourg. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Voilà, et je vous invite à trouver sur Internet la dédicace que notre ami Jean-Sébastien a écrit en français. Au margrave de Brandebourg, c'est délicieux à voir, c'est délicieux à lire, et c'est assez piquant de voir que cet illustre compositeur qui est si habile avec l'harmonie, les notes, les dièses, les bémols et tout ça, est aussi maladroit avec cette pauvre langue française, dont il essaie de faire ce qu'il peut. Voilà, donc en attendant, le premier mouvement du troisième concerto Brandebourgeois par les cordes de l'orchestre. L'orchestre symphonique qui arrive du loin, justement. Voilà, sinon l'acronyme change un petit peu. Et je vous laisse là-dessus. Thank you.
cordes de cet orchestre. Alors, ce concerto aux grandes bourgeoises a la particularité d'être orchestré d'une manière un petit peu qui lui est propre, c'est-à-dire trois parties de violon, trois parties de bateau et trois parties de violoncelle plus les basses. Donc là, c'est pour ça qu'il y a eu un petit arrangement entre des pupitres, des petites valses. C'est pas que c'est musical, il n'y a rien de personnel. Maintenant, n'y voyez aucun problème. Tout se passe très bien. Voilà, donc nous allons continuer avec un certain Ludwig von Beethoven et une certaine symphonie numéro 7. Voilà, on ne les fait pas dans l'ordre, on a commencé par celle-là. Et on va jouer en plus le deuxième mouvement de cette symphonie numéro 7. Je pense que c'est un mouvement que, là ça ne vous dit rien comme ça, évidemment c'est très très abscon comme définition. Mais je pense qu'en l'entendant, ça va vous rappeler quelque chose. Voilà, bonne écoute. Thank you.
Nos amis chanteurs, donc le chœur Selva Cantabile, pour une pièce de Donizetti, Gaetano Donizetti, qui a écrit entre autres opéra Lucia de la Mer Noire, dans lequel il y a un chœur du mariage que ce chœur ici présent va vous interpréter immédiatement. Alors, Selva Cantabile s'est créé en 2019. D'Adrien Poupin et de Armel Matisse, voilà, super, merci, voilà, qui arrive, et Adrien, vision primeur professionnel, et Armel, pianiste non moins professionnel, non moins brillante. Voilà, ils ont créé à Beaucourt ce chœur, un chœur classique, voilà, qui est fait très régulièrement, et bah, si vous avez envie d'aller chanter avec eux, bah, vous ne serez pas déçus. Voilà, vous allez pouvoir thank you.
de chœur adulte de Montargis va rejoindre les collègues de Beaucourt pour agrémenter un petit peu la chose. Et puis on aura encore après un autre apport de chanteurs pour la dernière pièce, mais voilà, ce qui fait qu'on aura un total de 91 personnes devant nous. C'est plutôt chouette. C'est presque à égalité. Voilà. Donc c'est voilà. Mozart avait bien. Je suis en train d'oublier. Bernard Hugo. Voilà, c'est ça.
enregistré quand même. Donc c'est grâce à lui, grâce à son talent d'arrangeur. Donc vraiment, il bosse. Régulièrement les travaux de l'orchestre, donc je vous remercie sincèrement de nous honorer de vos présences ce soir. Voilà, donc merci à tous, pardon, je n'ai pas le plaisir de vous connaître personnellement, mais merci de votre présence et de soutenir ce beau projet pédagogique. Voilà, donc allons-y pour la fête finale. Le Brindisi de Giuseppe Verdi, donc c'est la Traviata. Mmh.
contribution. Vous l'avez voulu. Ah, voilà, je vais vous mettre la contribution. Donc, les solistes là vont vous écouter et c'est vous qui allez chanter les rôles. Non, vous allez juste participer. Voilà, dans les chœurs, je vous fais partir, je vous fais arrêter, je m'occupe de tout. Suivez les flèches. Néanmoins, hier on a joué à l'énergie, aujourd'hui on est ici devant vous.
marcheront, voilà, pour terminer cette tournée néanmoins triomphale. Voilà. J'ai quand même oublié les deux solistes, Laure et Patrick. Normal.